Palme d'or au Festival de Cannes en 2012 pour Amour, le film de Michael Haneke. Jean-Louis Trintignant partage ce titre avec Emmanuel Riva. L'acteur, homme de théâtre et de poésie, s'est retrouvé à Uzès, sa ville d'adoption depuis 30 ans, pour l'avant-première d'Amour. Dans la salle d'attente du cinéma Le Capitole, Jean-Louis Trintignant a répondu aux questions de Thibault Loucheux, un reportage en partenariat avec Midi Libre et le site du cinéma Cinéphile TV. Et après, si vous voulez, on parle du film. Je sais qu'il est difficile, ce film est très fort et très émouvant. Il est difficile peut-être d'en parler. On va essayer. Si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas, vous les faites. Moi, j'adore ce film. Je l'ai vu 5 fois déjà. Et c'est amusant parce que quand j'avais lu le scénario, j'avais dit « je ne veux pas le faire parce que c'est trop triste ». Mais j'ai dit au metteur en scène, merci quand même de me l'avoir fait lire, parce que ça, c'est un film que j'irai pas voir. Le film est émouvant malgré tout, mais c'est pas nous qui donnons l'émotion. Nous, on a vécu les personnages, voilà, et il a filmé. Vous l'avez vraiment vécu, oui. Oui. Justement, parlez-nous un peu de ce metteur en scène, Haneke, qui est un des plus grands réalisateurs au monde. Oui. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec lui? Oh, c'est vachement intéressant. Moi, je rêve que de faire un autre film avec lui, mais il m'a dit qu'il n'avait pas de rôle dans son prochain film. Alors, je lui ai dit, mais ça fait rien, j'ai fait un tout petit rôle. J'ouvre une porte, il m'oublie. Nanni Moretti a insisté sur le jeu d'acteur quand il a remis la Palme d'Or pour le film. Est-ce que vous pensez effectivement que le film repose beaucoup sur le jeu d'acteur et sur la mise en scène? Sur la mise en scène d'abord, sur les acteurs aussi. Mais à partir du moment où un metteur en scène choisit des acteurs, il a fait l'essentiel de son boulot. Après, bon, ça peut être plus ou moins bien, mais moi je trouve que c'est très bien que tous les trois d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Isabelle Huppert qui est formidable. Et Isabelle, Emmanuel et moi, je trouve qu'on est vraiment très très bien. Je dis ça vraiment, ça paraît prétentieux, mais je le dis. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de présenter Amour dans votre ville, à Uzès? Ah, ça me touche beaucoup à Uzès. Surtout qu'il y a 16 ans que je n'avais pas fait de cinéma. Et j'aurais bien aimé parce que j'aime bien l'esprit du cinéma. Hein. Ici, je veux dire, du cinéma d'Uzès, j'aime bien son esprit. Mais comme je ne suis pas dans les films, je n'avais jamais présenté un film sous la direction de Michel. L'amour des personnes âgées, c'est un sujet qui est très peu abordé. Oui. Est-ce que ça vous tient à cœur? Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est très peu abordé. Et c'est vrai que, bon, le film est magnifique, il a eu la Palme d'Or à Cannes. Mais c'est pas certain qu'il marche quand même. Moi, je voudrais qu'il marche, mais c'est pas sûr. Je pense que les gens auront peur de voir un tel sujet. Une fois qu'ils seront dans la salle, ils seront très contents parce que le film est magnifique. Puis, il est très simple et en même temps, il y a des surprises. C'est étonnant. Mais est-ce qu'ils iront? Ça, j'en suis pas sûr. Ils iront ce soir parce que c'est une soirée spéciale. Mais je sais pas si le film va marcher. Cela dit, il est sorti en Allemagne. Récemment, là, il paraît que c'est un phénomène de société, il paraît que c'est... On refuse du monde chaque soir dans les salles. Vous adorez la poésie. Est-ce qu'on peut dire que le film Amour est un film poétique? Ah oui. Il a...
il a le, comme ça des zones d'ombre, des choses qui ne sont pas expliquées. Ça, c'est une chose qu'on retrouve dans la poésie. En plus, je pense que ce film, c'est un peu peut-être intellectuel, et je ne voudrais surtout pas être comme ça, mais je pense que c'est une réussite du nouveau roman. Je pense que la façon de faire le film correspond vraiment aux idées du nouveau roman. Dans le nouveau roman, on raconte des événements, mais on ne fait jamais de psychologie, on ne regarde pas les états d'âme des gens. On raconte simplement une histoire en racontant des faits très précis. Et le film, c'est ça. Le nouveau roman, vous savez, c'est une manière d'écrire qui a été inventée par Alain Robbe-Grillet. Le film s'appelle Amour. L'amour de votre région, vous l'avez toujours ? Là ? L'amour de votre région. Oui. Oui. Je suis né pas très loin d'ici, à Pont-Saint-Esprit. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans à Pont-Saint-Esprit. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci pour l'interview. Merci. Monsieur Laurie. One take from each shot to make sure they have it. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des gens. Je vais voir.